Ouais, ça tourne. C'est normal, on est en train de filmer. C'est la vidéo du dimanche. Assieds-toi, prends une mousse. Nous, on va faire un tour. Ou deux. Trois peut-être même. Qu'est-ce que j'avais décrit sur ma liste, moi? Ranger les pièces de la 406 proprement. Putain, c'est écrit en gros proprement. C'est là qu'on stocke nos pièces et tout un tas d'autres merdiers. Ah ouais, putain, on doit faire la liste des pièces de ça. Bon, moi, j'ai besoin de la remorque pour rentrer du bois. Ça, c'est rangé. Putain, je mets ça où? Ranger proprement. Elle est où, ma liste? Pièces rangées proprement, à voir quand il fera jour. Hop, reste là la liste. Maintenant, rentrez du bois. Salut les petits poulets! Attends, faut que je referme la barrière. Aïe. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo du dimanche. T'étonne pas si je tousse ou si jamais j'en viens à restituer la totalité de mon repas de ce midi. Lambert est malade, c'est des choses qui arrivent. C'est pour ça que je vais mettre du bois à la maison, parce que Lambert a froid. Pousse l'auto. Rentrer du bois sans marcher dans le caca du gros chien. Hein? Non. Et toi là. Et toi, je dis. Là. Ça c'est prêt, y'a plus qu'à faire. Oh bah merde. Oh, pardon. Par quoi on commence aujourd'hui? Par ça? Par ça? Ou par ça? Dans les trois options, t'en as deux qui démarrent pas. Bah viens, je te parle du truc à looping. On a fait la petite soirée mécanique jeudi chez Lambert, un peu comme tous les jeudis de toute façon. Et là, je suis en train de perdre toutes les vis qui sont là-dessus. Ne pas perdre. On a un peu avancé, mais soyons honnêtes, on a vraiment pas branlé grand-chose. Mais histoire de se donner bonne conscience, on a quand même fait une petite soudure ici, là. Parce que là, tu vois, fallait déplacer le support d'amortisseur. Je sais pas si tu te souviens, la dernière vidéo du dimanche, il était là, là. De là à de là. À peu près. Et du coup, ça amortissait strictement rien. Du coup, il est revenu là. Là, ça fonctionne, mais vu qu'il n'y a pas les roues, bien évidemment, tu vas rien voir. Et ma mission d'après cette vidéo du dimanche, c'est de démarrer ça. Et non, je vais pas filmer. Ou peut-être plus tard. Mais ça démarre, je pense. Peut-être que je regarde s'il y a de l'huile d'abord. Non, pour l'effet de surprise, on va démarrer comme ça. Donc, on finit de mettre ça en ligne. Faut que je retrouve des jantes de cartes à mettre là-dessus. Au pire, le mien servira de test provisoire. Je sais pas si t'as remarqué, mais ça c'est débâché aussi. Parce que lui, on va le démonter incessamment sous peu. Si c'est pas tout de suite, c'est pour dans pas tard. Parce qu'il faut qu'on liste les pièces pour à peu près juger ce qu'il nous faut comme pièces. J'ai commencé à envoyer des mails, je vous l'ai peut-être déjà dit, mais pour essayer de grappiller 2-3 pièces auprès de vendeurs de pièces. En fait, pour avoir des réponses, faut que je finisse de les envoyer. Et ça, j'ai pas fait. Donc t'en fais pas, ça avance. Ça avance peut-être pas vite, mais ça avance. C'est un peu comme tout ce qu'on fait chez Lambert Recherche et Développement. Ça avance, mais quand t'as à peu près 1 minute 30 par jour à y accorder et environ 15 minutes par week-end, ça te donne une idée du temps sur lequel on peut étaler les projets, on va dire. D'ailleurs, en parlant de projets, je sais pas comment tu regardes les vidéos de Farine, mais nous, on regarde ça en grand écran. Heureusement, Looping avait son vidéoprojecteur parce que le mien, il a décidé de nous quitter à ce moment-là. Mais ça, du coup, c'est rendu là. On a même mis la sono de qualité qui va bien avec. Et j'ai racheté un vidéoproj. Cherche-le pas, il est pas là. Refais un support ici, c'est pour mettre un vidéoprojecteur et ça deviendra officiellement la salle à regarder des trucs. Et des trucs. Et je suis en train de crever. Donc faut que je finisse de ranger ce bordel là parce qu'on en étale partout à chaque fois le jeudi. Et qu'après c'est l'heure de manger donc on mange tout de suite mais on range pas tout de suite. Ah. Hop là. Et ça c'est le joint de culasse à PDLV, je l'ai retrouvé là. Faut qu'on... Viens le chercher. Passons aux choses sérieuses. Je te parle de ça. Oh. Je sais que dans ma dernière vidéo du dimanche, je t'avais dit que je la boirais juste après la vidéo du dimanche. Elle est restée là-bas sur le bar. Santé mon chef. Oh. La petite bière à belle de l'oreille. Bah ma foi, c'est meilleur qu'une tape sur la gueule. Bon, ça,
Et il me faut de la lumière. Hi ya. Ah, ça fait peur aux chiens. Jour, 3 semaines plus de la panne, ça avance. J'ai suivi tous les conseils d'un d'entre vous qui bosse chez Ford et qui a déjà eu le souci plein de fois. Celui qui disait que ça, c'était pour eux, le retour là. Donc le retour de pompe, il est chanté, donc si ça fuit par ce tuyau là, de toute façon ça peut pas fuir par ce tuyau là parce que le gasoil rentre plus dedans. Le retour maintenant, si tu veux, il passe là, mais il faut que j'arrive à... pérenniser, je crois, on dit. Je crois que c'est ça, pour que ça dure dans le longtemps. Pérenniser, ouais. Faut que j'arrive à pérenniser le projet, parce que là, ça tient avec un... C'est les durites de retour, quand même. Et à la base, on fait ça pour plus que ça aspire de bulles d'air. Et là, il y en a plein. Si tu te demandes ce que c'est un coup de tuyauterie de lave-glace que j'ai été piqué sur la Gérarderie. Et ça fait le taf, parce que j'avais rien pour accorder ça et ça. Mais ce matin, on est passé au Brico du Bourg, et on a acheté en fait tout ce qu'il nous faut, tu vois, ce genre de trucs pour accorder des choses ensemble. Peut-être un diamètre supérieur s'il faut, et s'il faut encore plus, un diamètre encore au-dessus. Y'a plus qu'à. On a aussi acheté tout un tas de colliers qu'on a trouvé au rayon piscine, mais qui devraient très bien faire le boulot. Parce que quand tu vois que ce soit étanche, faut peut-être mettre des colliers un petit peu partout. Comme ça, vois-tu. On avait aussi acheté tout un tas de merde de clips rapides, de durite d'arrivée de carburant. Vu que ça vaut vraiment pas cher, je pense que ça servira pas. Parce que je sais pas comment ça fait pour être étanche ces trucs-là, mais... Bon, apparemment c'est étanche, mais... Non. On a aussi pris de la durite de précision parce que j'avais pas envie d'en racheter et que j'en avais de la transparente à la maison. T'inquiète pas, c'est pas du tout de la durite à carburant. C'est des espèces de tuyaux que j'avais là un peu là. Bon là celui-là il est marron mais les autres sont blancs. Enfin t'as compris ce que je veux dire. C'était l'époque où ça faisait fontaine à ponche et ça devrait servir en l'état. Donc vu que ça a trimballé des litres de ponche fait maison qui sont relativement assez abrasifs, on s'est dit que ça allait très bien faire le boulot pour trimballer du carburant. Du coup juste là, avant t'avais une durite qui partait d'ici et qui rentrait d'ici directement. Et on en a profité pour rajouter une poire. Poire qui est en train d'avaler des bulles d'air. Mais qui est dure maintenant. Bon, avant de faire des conneries, il faudra déjà que je change tous les colliers et machin. Faut attendre que la batterie charge. Pour que la batterie charge, faut brancher le chargeur de batterie. Mais là, je l'ai juste coupé le temps de la vidéo, parce que sinon, ça fait un bruit de fond dégueulasse. Une fois que ça, c'est validé. C'est déjà validé, de toute façon, parce que le camion, il tourne comme ça. Mais, oh, il y a un... Je sais pas si tu vas voir la même chose que moi. Et peut-être que si je serrais les colliers... Je suis désolé, mais pour moi, serrer les colliers, ça fait un petit peu blague de vieux monsieur qui traîne devant les écoles. Mais je vais serrer les colliers quand même. Histoire d'être sûr. Et du coup, je te le démarre pas là, parce que suite à énormément d'insistance quand ça ne voulait pas, du coup, la batterie a dit non. Les nouvelles du camion sont terminées, donc je peux remettre ça en charge, pour pas que ça fasse brrr dans ta vidéo. Prochaine étape après cette vidéo. Ou peut-être pas. Bon, ça charge. Ça aussi, parce que c'est putain de bon. Et tant que je pense à ça, là... Non, pas au bordel qu'elle a, là, parce que je suis en train de trier... mes pièces de moto. J'ai aperçu dans la semaine, me demande pas pourquoi, je suis tombé là-dessus. Je crois que c'est mon portable qui a fait des trucs chelous dans ma poche. Je suis tombé sur les statistiques de publication et tout le bordel. Et tu te souviens la vidéo où... Ah putain, je vous l'ai même pas mis dans une vidéo du dimanche. Celle-là. Oh merde. Chut. Voilà. Voilà, c'est bon, c'est réparé. Bah ça, me demande pas pourquoi. Alors je fais jamais et j'ai jamais fait la course au... Pas aux performances, merde, qu'est-ce que j'allais dire? La course aux vues ou la course aux j'aime ou je sais pas, je filme une connerie et je vous la partage. Et ça, me demande pas pourquoi, ça a été vu un. On a dépassé le million de fois. Je comprends pas tout en fait comment ça marche, les algorithmes et tout ça. Je m'en fous, mais ça a fait un truc. J'ai vu ça. Là, genre, j'avais mon téléphone, ça fait Ah! J'avais jamais fait gaffe à ça. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont fait beaucoup plus et tout ça, je sais pas. Je sais pas comment ça marche, mais je fais Ah, Gérard, vous avez mis aussi dans la semaine une petite photo de chantier. Oh! Mon bananier. Et faut peut-être que je le rende parce qu'il commence à geler chez nous. Dans la phrase, il y avait un peut-être. J'étais donc en train de dire, j'ai mis une petite photo de chantier dans la semaine. Je te mets un petit peu de temps en temps de mon vrai travail de tous les jours. Parce que faire des vidéos, c'est pas mon travail de tous les jours. Quand je prends le temps de lire les commentaires, ouais, parce que des fois ça m'arrive. Même souvent. Et ben j'ai pu échanger avec plusieurs d'entre vous, qui me posaient plein de questions par rapport à mon boulot et tout ça. Et qui m'ont dit, ce serait bien de faire des vidéos du boulot. Genre que je vous explique ce que je fais... Bah quand je suis pas là quoi. C'est mon vrai boulot de tous les jours. Quand je monte dans le topel pour faire des trous, je fais pas que des trous et les reboucher. Ceux avec qui je parlais, je mettais des photos, tout ça, j'expliquais ce qu'on faisait, là c'était je sais plus quoi, des tranchées d'infiltration je crois. Expliquer des petits trucs comme ça. Et je sais, je dis que je vais faire des nouveaux trucs alors que j'ai pas le temps de faire les premiers. Mais en fait j'ai pas le temps de filmer ce que je veux. Mais si je suis au boulot et que je laisse la caméra genre sur la pelleteuse pendant que je fais des trous et que je te parle en même temps pour t'expliquer ce que je suis en train de faire, je peux faire deux choses en même temps Lambert. Donc à voir. S'il y en a que ça vous intéresse, c'est pas comme ça que je voulais le dire, mais s'il y en a parmi vous que ça intéresse quand on vous explique un peu ce qu'on fait. En dehors de faire des trous, bah dis toujours. Manifeste-toi, peut-être qu'on peut faire ça. Oh, pardon. Enfin voilà, on a à peu près fait le tour parce que de toute façon, cette semaine, apparaître au boulot et rentrer le soir et bosser un petit peu sur le camion et aller s'occuper des enfants et rentrer, manger et se coucher. Il fait nuit tôt, moi quand je rentre le soir, il fait nuit maintenant. Donc t'as pas le temps de branler grand-chose. Ouais, je sais, il y a de la lumière dans le garage. Mais il y a des enfants aussi à la maison. Sur ce, bon dimanche à toi dans ton canapé. J'espère que cette vidéo n'est pas dégueulasse parce que je viens de voir qu'il y a plein de...
buée dans l'objectif. Que buée que je ne peux pas enlever parce que c'est à l'intérieur. Oh, putain, ça se trouve, j'ai tout filmé et... Et c'est dégueulasse. Si c'est pas dégueulasse, tant mieux. Sinon, tu verras pas cette vidéo. Si c'est le cas, je suis blasé. Rendez-vous dimanche prochain. Ou peut-être avant, si j'ai le temps de vous publier une vidéo avant. Ah. Oh merde! Ce sera coupé au montage. Bisous.